Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Si on me demandait quel est l'art majeur qui illustre Liège, je crois que je répondrais que c'est la musique. Liège est depuis toujours une ville de musique avec des moments phares. Elle a donné naissance à des musiciens éminents. Et jusqu'aujourd'hui, y compris jusqu'à la période du jazz, elle est restée. Elle est le siège aussi d'institutions musicales importantes en Belgique avec son opéra, son conservatoire, son orchestre. Bref, c'est un art majeur pour nous. Et nous allons, avec M. Pirenne, qui est enseignant à l'Université de Liège et musicologue, et passionné, en tout cas très compétent en matière de rock, faire un long parcours depuis Grétry jusqu'à notre époque pour montrer, j'espère, je le crois, la richesse et la variété des facettes musicales de notre pays de Liège. Michelet disait déjà qu'à Liège, on chante beaucoup, et que c'était ce qui faisait notre force. Je crois que de la musique populaire à la musique la plus avancée, nous avons toujours été ici, c'est une de nos fiertés sans doute, à la pointe de ce qui se passait en matière musicale. Je cède la parole à M. Pirenne. Merci pour votre introduction, Monsieur Botson. Même si je vais peut-être devoir vous tempérer un peu votre enthousiasme, puisque je vais quand même un tout petit peu parler de musique populaire pendant mon exposé, puisque vous le voyez à l'écran, je vais devoir commettre une espèce de prouesse ici, c'est-à-dire d'envisager plus de deux siècles de musique en une petite heure, avec quelques extraits musicaux quand même. Et ce que je voulais signaler, c'est que cette musique à Liège pendant un siècle, je vais essayer un peu de décentrer la présentation habituelle qu'on fait de l'histoire de la musique, qui est souvent l'histoire de la musique savante, effectivement. Mais je suis parti, en fait, en préparant la communication, je suis revenu à un ouvrage qui avait été consacré à Liège au 19e siècle et qui montrait, en fait, que la population qui fréquentait les concerts du conservatoire, eh bien, ça ne dépassait pas 2% des Liégeois. Donc, c'est une musique savante, ça concernait 2% des Liégeois au 19e siècle. Et en fait, c'est un chiffre un peu bizarre parce qu'il recoupe le chiffre qu'on a actuel dans les plateformes de téléchargement, ce qu'on appelle les plateformes de streaming, sur lesquelles on peut écouter de la musique. Et aujourd'hui, sur ces plateformes-là, ce qu'on découvre, c'est que la musique classique, c'est 1% de la musique écoutée. Donc, on est à peu près dans des chiffres qui n'ont pas tellement évolué depuis le 19e siècle. Et donc, ce que je voudrais un peu faire aujourd'hui, c'est se dire, mais qu'est-ce que les Liégeois jouaient et écoutaient? Alors, les 98% qui restent, qu'est-ce qu'ils ont écouté comme musique pendant ces deux siècles-ci? Et donc, pendant cette longue période, on va donc devoir faire un bond immense et puis partir de monsieur que vous avez à droite là-bas et que vous reconnaissez sans doute très très facilement puisqu'il s'agit de André Ernest Modeste Grétry. Et peut-être qu'ils sont plus connus aujourd'hui, mais sans doute que vous les connaissez beaucoup moins. Ce sont deux Liégeois qui sont sans doute ceux qui sont parmi les plus écoutés aujourd'hui dans l'espace francophone en tout cas, qui s'appellent Moji et Sboy, donc ils sont deux rappeurs liégeois dont je dirai quelques mots en terminant. Donc un très très grand écart ici. Et donc si je recommence ma chronologie en partant au 18e siècle, eh bien c'est me demander effectivement la musique que les gens écoutaient, c'est évidemment d'abord de la musique religieuse. Et cette musique religieuse chez nous, eh bien, on la trouve effectivement dans les très très nombreuses églises collégiales et dans la cathédrale de Liège, où à la fois on a une vie qui est tout à fait trépidante, ne fût-ce que par la présence de très très nombreux milieux séculiers, c'est-à-dire des institutions dans lesquelles les officiants ne sont pas attachés en permanence. Et donc ce sont
la cathédrale, les 8 collégiales et même quelques églises paroissiales. C'est là qu'on joue de la musique tous les jours, mais c'est là aussi qu'on forme les musiciens. Il ne faut pas oublier que le conservatoire, c'est une invention récente, et donc la formation des musiciens, elle se fait en grande partie chez nous, dans les collégiales et à la cathédrale. Et à la cathédrale, qu'est-ce qu'on trouve comme fonction? Parce que c'est là qu'est l'orchestre de Liège le plus important jusqu'à la Révolution française. Et dans les effectifs musicaux de la cathédrale, eh bien, le premier, le patron de la musique à la cathédrale, c'est celui qu'on appelle le cantor, ou qu'on appelle parfois dans les archives liégeoises, c'est le grand chantre. C'est un chanoine très foncier, et c'est lui qui est le principal responsable de la musique. C'est donc une espèce de directeur général, si vous voulez, qui est celui qui va commander les œuvres qu'on va jouer pendant les offices ou pendant les messes, qui est aussi celui qui est parfois le compositeur et qui va engager une partie des musiciens qui sont employés à la cathédrale. Sous ses ordres, il y a le maître de chant. Et le maître de chant, qu'on appelle écolâtre dans les archives liégeoises, ce maître de chant, il est sous les ordres du grand chantre et il va s'occuper de la musique au quotidien avec trois fonctions bien particulières. Eh bien, c'est lui qui va ordonner la musique d'église, c'est lui qui va admettre ou renvoyer les choraux, c'est lui enfin qui doit former les enfants de chœur. Et comme le cantor, j'ai oublié de le signaler, aussi bien le cantor que le maître de chant, ce sont deux ecclésiastiques. Sous les ordres du maître de chant, deux personnes qui sont ceux qu'on appelle les intonateurs. Et les intonateurs, ce sont eux qui vont donner les notes de base aux chantres qui sont répartis de part et d'autre du chœur. Donc il faut imaginer la cathédrale Saint-Lambert, un immense édifice. Vous avez des chantres qui sont à gauche et à droite pour que tout le monde commence à peu près sur la même note et à peu près en même temps. Effectivement, ben, vous avez un intonateur de chaque côté qui va faciliter la mise en question. Ce sont eux aussi qui vont seconder le maître de chant pour les parties les plus difficiles et en particulier pour la musique polyphonique. Il y a enfin, sous les ordres des intonateurs, il y a les chantres. À la cathédrale, à la fin de l'Ancien Régime, il y a une douzaine de chantres. Dans les collégiales, il y en a en moyenne 6. Et donc ces chantres, eh bien, ils sont tenus d'assister à toutes les heures du jour sous la direction de leur intonateur. Et puis ils doivent évidemment participer aux répétitions, venir chanter aux offices, venir chanter aux fêtes, etc., etc. Et pour la plupart d'entre eux, ces chantres, ce sont aussi des prêtres. Et puis le dernier groupe de chanteurs dans la cathédrale, ce sont les enfants de chœur. Et donc, ils ne sont pas attachés spécifiquement à un chantre en particulier. En fonction des cérémonies, ils peuvent être groupés, ils peuvent être au centre du chœur, ils peuvent être sur le côté, ils peuvent s'avancer dans la nef. Donc, leur place n'est pas déterminée de manière radicale. Et ces enfants de chœur, ce sont généralement des enfants pauvres qui ont été engagés et qui vont en fait chanter et lire les offices du jour et de la nuit. Ils ont donc, quand ils sont engagés, entre 7 et 8 ans, et ils vont rester à la cathédrale jusqu'au moment de la mue de leur voix, et donc la mue de la voix qui se produisait un peu plus tard sous l'Ancien Régime, donc ils restent jusque 14 ou 15 ans, grosso modo. Et donc, en échange, si vous voulez, de l'éducation qu'ils reçoivent, eh bien, ils doivent offrir ce service de chant à la cathédrale. Et en plus de la musique, on leur enseigne la religion, évidemment, et la littérature. Le chantre le plus connu de la ville de Liège, vous savez qui c'est, André Ernest Modeste Grétry. Et dans ses mémoires, Grétry, il nous dit ce que c'est d'être un enfant de chœur. Il n'est pas à la cathédrale, lui, il est à Sainte-Croix, c'est pas très très loin. Mon père voulait me faire enfant de chœur à Saint-Denis, où il était alors premier violon. Je ne me rappelle qu'avec peine tout ce que j'ai souffert pendant le temps que j'ai été attaché à l'église de Saint-Denis. Je faisais 6 voyages par jour pour me rendre aux 3 offices. J'eusse fait ce trajet avec joie, mais j'avais vu punir rigoureusement la moindre négligence. Un jour que la pendule de mon père s'était arrêtée, j'arrivais trop tard aux matines qui se chantaient entre 5 et 6 heures du matin. Je fus puni pour la première fois, on me fit tenir 2 heures à genoux au milieu de la classe. L'heure de la leçon offrait un vaste chant aux cruautés du maître de musique. Il nous faisait chanter chacun à notre tour, et à la moindre faute, il assommait de sang-froid le plus jeune comme le plus âgé. Donc des méthodes pédagogiques qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui à l'université. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais
En tout cas, vous voyez effectivement que c'était à la dure, comme l'écrivait Charles Dickens à la même époque, on élevait les enfants à la main à l'époque. Et donc, c'est un peu le type d'éducation que Grétry subit à ce moment-là. Et alors, une fois que leurs voix ont mué, eh bien, ces enfants de cœur, soit ils reçoivent une bourse d'études et ils vont alors compléter leur formation souvent chez les jésuites, donc à l'emplacement de l'université actuelle, donc ils vont poursuivre leur formation. Et puis, ensuite, ils peuvent être ordonnés et alors revenir comme chantres à la cathédrale. Enfin, le dernier groupe de musiciens qu'on a à la cathédrale, ce sont les instrumentistes eux-mêmes. Et donc, dans la cathédrale, fin de l'Ancien Régime, il y a deux organistes en permanence, donc un pour l'orgue de chœur et puis un pour l'orgue qui est sur la tribune au fond de la nef centrale. Et puis alors, on a un carillonneur, et donc qui, toutes les heures, vient sonner les offices, les messes et évidemment le déroulement de la journée. Une dizaine de violonistes, deux contrebassistes, deux hautbois, deux bassons, plus toute une série de supplémentaires éventués. Donc, si vous faites le compte, c'est très très important puisque la cathédrale de Liège, jusqu'à la Révolution, c'est une cinquantaine de musiciens qui sont entretenus et qui agissent habituellement. Et c'est le fonctionnement de la musique dans la cathédrale, il est relativement bien connu, en partie à cause des innombrables règlements qui sont mis en place pour éviter les abus et la discipline. Et donc, ce qui est un peu étonnant, c'est que dans les registres de comptes, eh bien, les chantres, ils sont très, très souvent mentionnés pour des rappels à l'ordre, pour des menaces, voire pour des suspensions ou pour des renvois. Et donc, c'est assez amusant, il y a toute une série de grilles tarifaires dans le salaire qui est versé aux chantres. C'est-à-dire que si vous ne venez pas à telle heure du jour, donc vous êtes coincé dans votre lit pour les matines, eh bien, on vous retire une partie de votre salaire. C'est même chose pour les vêpres, même chose pour la messe des morts, etc. Vous perdez des montants qui sont spécifiés en fonction du type de cérémonie que vous rateriez. Si vous arrivez pendant une cérémonie, eh bien, là aussi, il y a des retraits de salaire. Et pendant une cérémonie, eh bien, on va même jusqu'à déterminer le moment de la cérémonie à partir duquel on va vous retirer un peu de votre pécule. Et donc, je vous donne un exemple ou l'autre. Si vous arrivez avant la fin du second psaume dans un office, vous n'êtes pas sanctionné. Si vous arrivez juste avant l'épître, c'est-à-dire la lecture qui précède l'évangile, là aussi, vous pouvez échapper à la sanction. Et donc, si effectivement tout ça est mis en place, c'est bien évidemment qu'il y avait pas mal d'abus, évidemment, puisqu'il y a aussi des minima. Par exemple, à la cathédrale Saint-Lambert, on peut chanter la messe polyphonique à partir du moment où il y a au moins deux chantres à gauche et à droite. Ça veut dire que sur les 12 participants, il est sans doute arrivé à un certain moment qu'il n'y en ait même pas 4 qui étaient présents pour chanter la messe ou pour chanter un office. Et puis alors, il y a toute une série de recommandations d'usage. On peut être puni si on fait semblant de chanter, par exemple. On peut aussi être puni si on parle pendant que le reste de l'office. On peut aussi être puni si on se promène dans la cathédrale alors que l'office est en cours, etc. On ne peut évidemment pas s'absenter plus d'un mois sans prévenir son supérieur. Et en fait, ce n'est pas que les Liégeois sont particulièrement indisciplinés, c'est un peu partout comme ça. Jean-Sébastien Bach connaît à peu près la même situation quand il est cantor à l'église Saint-Thomas à Leipzig, et où effectivement lui-même sera tensé et puis renvoyé parce qu'il s'est absenté sans avoir prévenu ses supérieurs. Et donc, les sanctions peuvent parfois aller jusqu'au renvoi. Mais on les connaît bien aussi, c'est le fonctionnement de l'Église, parce que les recommandations, ou en tout cas les réclamations, elles vont dans l'autre sens. Il y a aussi le petit côté syndicaliste bien liégeois, où des gens demandent, les chantres demandent des augmentations, ils disent que leurs vêtements sont un peu pourris et donc qu'il faut les remplacer, que tel instrument, etc., ne va plus très bien et qu'on devrait, etc. Donc, il y a toute une série de demandes qui vont dans le sens d'une amélioration de leurs conditions de travail. Et donc, dans cette cathédrale de Liège, ça fait évidemment un nombre important de musiciens. Et comme on a des orchestres et aussi des chœurs dans toutes les collégiales de Liège, il y a une espèce d'esprit d'émulation assez important entre les institutions. Et ce sera sans doute acquis à la meilleure musique religieuse dans son institution. Ce qui fait effectivement que la qualité générale des répertoires à Liège, il est relativement important.
et c'est ce qu'on trouve dans toute une série de témoignages. J'en avais cité l'un ou l'autre dans le petit résumé que je vous avais envoyé. Donc on a un abbé qui passe en 1779 à Liège, et voilà ce qu'il écrit. « De toutes les villes que j'ai vues, Liège est la plus grande, la plus riche, la mieux située. Et quand il arrive à Vienne, il a ce mot absolument incroyable pour nous. C'est à Liège que la musique ecclésiastique est la plus belle. » Et donc, ce qui vaut à la ville toutes ses louanges, et donc c'est, je pense, à la fois la qualité de la maîtrise, mais aussi la qualité de l'orchestre musical qui va connaître, une période vraiment brillante sous le directorat d'un musicien qui s'appelle Jean-Noël Amal. On va écouter 2 minutes de musique de Jean-Noël Amal. Il faut imaginer que la cathédrale est toujours en place, et voilà ce qu'on pouvait écouter, donc un motet de Jean-Noël Amal, tel qu'il avait pu être interprété à la cathédrale. C'est un motet qui a été écrit en 1762. Vous le voyez à l'écran, il est conservé aujourd'hui à la bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique de Liège. Et on écoute ces 2 minutes de musique. De ces motets que Amal, il en a écrit une soixantaine, ils sont aujourd'hui presque tous conservés à la bibliothèque du conservatoire, et donc qui étaient chantés soit à certains moments de la messe, soit même en dehors de la cathédrale lorsqu'on organisait ce qu'on appelait à l'époque des concerts spirituels. Et donc Jean-Noël Amal, le compositeur de l'œuvre qu'on vient d'entendre, il a un parcours ultra typique pour un musicien liégeois, c'est-à-dire qu'il a lui-même été enfant de chœur à la cathédrale, puis une fois que sa voix a mué, il est passé du côté de l'université où il était chez les jésuites, où il a terminé ses humanités. Et puis alors, après ses humanités, il a reçu une bourse de la fondation d'Archie, donc cette fondation liégeoise qui permettait à des prêtres ou à des artistes d'aller étudier en Italie. Et donc pendant 3 ans, de 1728 à 1731, il sera en Italie. Il revient alors à Liège, et une fois qu'il revient à Liège, eh bien, il va monter l'ascenseur social au sein de la cathédrale, puisqu'il sera successivement d'abord musicien, d'abord instrumentiste, puis intonateur, puis chanoine, et puis alors il finira par être le maître de musique de la cathédrale de Liège, pour laquelle il écrira une bonne partie de ses œuvres. Donc ça, c'est effectivement le type de répertoire que une partie importante de la population pouvait entendre. À côté de ça, il y a évidemment de la musique profane dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est moins connue et qui est en partie incarnée par l'orchestre du théâtre de Liège, que les journaux du XVIIIe siècle appellent souvent l'orchestre de Liège. Et donc, cet orchestre de Liège, c'est en partie les mêmes musiciens que ceux qui jouent évidemment à la cathédrale ou dans les collégiales. C'est en effet une espèce de cumul apprécié, puisque les spectacles
profane, il se donne en fait au moment où il n'y a pas de fête religieuse. Et donc ça veut dire que pour les musiciens, pour les chanteurs, eh bien, on passe des institutions religieuses aux institutions profanes. Donc quand l'année liturgique le permet, eh bien, soit entre le mois d'octobre et le mois de mai, eh bien, on peut jouer de la musique profane, à l'exception du mois de l'Avent, donc les semaines de préparation à la fête de Noël, on ne peut pas jouer de musique profane et donc on est à l'église. Pendant la période du carême, eh bien, on ne peut pas jouer de musique profane, on est à l'église. Mais une fois que c'est autorisé, eh bien, les musiciens passent d'un milieu à l'autre. Et puis, il reste là-dedans les mois d'été. Et qu'est-ce que font les Liégeois pendant les mois d'été à ce moment-là? Eh bien, ils suivent l'aristocratie qui va en villégiature à Chaudfontaine, à Spa, ou évidemment dans les villes d'eau, et on accompagne les personnes qui ont un peu de moyens. Et donc, on joue alors de la musique dans le privé. C'est une toile qui est relativement connue, celle que vous avez sous les yeux. Et donc, ce qu'on voit ici, donc une toile de Paul-Joseph Delcloche, qui nous montre, par exemple, le prince-évêque Jean-Théodore de Bavière, qui était lui-même plutôt un bon vieux... Enfin, non, la légende dit que c'est plus ou moins un bon violoniste, mais un bon violoncelliste, pardon, mais je ne sais pas si on doit vraiment y croire, parce que ben, vous le voyez, il est au centre de la diapositive. Lui, il joue du violoncelle, et puis juste à côté de lui, vous avez quelqu'un qui joue de la viole de gambe, et j'ai parfois l'impression qu'en faisant la basse continue, si le prince-évêque se plante, ben, il y a le mec qui est à côté, qui peut assurer un maximum, et donc donner l'illusion que ça fonctionne relativement bien. Mais vous voyez aussi que le prince-évêque, il a une musique importante, puisque cette basse continue, clavecin, violoncelle, viol de gambe, c'est accompagné par 5 violons, 2 hautbois, 2 cors, une flûte traversière, qui est le groupe de musiciens qui est juste derrière le clavecin. Donc on est ici à Serein, et comme le prince-évêque aime la musique, il est donc tenu pour l'aristocratie locale d'imiter évidemment des pratiques comme celle-là, ce qui signifie que pour la plupart des familles aristocratiques de la région de Liège ont pratiqué également la musique, que ce soit pendant les mois d'été ou que ce soit en hiver au moment où revenaient vers la ville. Et enfin, il y a toute une série d'initiatives privées avec des concerts qui se donnent dans différentes salles de la ville de Liège. Et parmi les salles les plus appréciées, il y a celle que vous connaissez encore aujourd'hui. Ce que vous avez, c'est un dessin des années 1725-1750. Donc, qui sont des dessins qui sont conservés ici au musée Wittert. Et donc, vous avez une coupe de l'hôtel de ville. Et dans la salle des pas perdus de l'hôtel de ville, que vous connaissez sans doute bien, eh bien, on donnait toute une série de concerts. Et c'est notamment dans cette salle des pas perdus que le Jean-Noël Amal qu'on vient d'entendre il y a quelques secondes a créé ces 3 opéras en dialecte wallon, la Livoyage di Chaudfontaine, Lili Joe Gaggi, etc. Et donc c'est à cet endroit-là que tout ça a été créé. Une autre salle qui est très très courue à l'époque, c'est la salle de l'émulation qui a beaucoup beaucoup changé depuis. Et cette salle de l'émulation, eh bien, elle a été inaugurée en 1762, et donc tout de suite, c'est une salle qui va accueillir toute une série de concerts, plutôt de musique profane, ou alors ce qu'on appelle des concerts spirituels, où on pouvait rejouer des motets comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure. Et donc, on doit encore ajouter à ça toute une série d'artistes itinérants qui se rendent à Liège, parce qu'il n'y a évidemment pas que les Liégeois qui font de la musique, il y a toute une série d'artistes qui voyagent, et là encore, on a un témoignage de Grétry, voilà ce qu'il nous en dit. Il arriva dans ce temps, et donc c'est à peu près vers 1750, une troupe de chanteurs italiens qui s'établit à Liège. Elle représentait les opéras de Pergolèse, de Buranello, c'est Galluppi. Mon père pria le directeur nommé Resta de me donner mon entrée à l'orchestre. Il y consentit, j'assistais pendant un an à toutes les représentations, souvent même aux répétitions. C'est là que je pris un goût passionné pour la musique. Et donc on voit qu'en plus de la pratique locale, il y a toute une série d'apports qui viennent de l'extérieur. Deuxième période après la période classique, c'est Liège entre deux révolutions. Et donc là, vous le savez, ben, la période entre la Révolution et l'indépendance de la Belgique, c'est une période qui est particulièrement noire pour la ville de Liège, en tout cas en matière de musique. Pendant plus de 40 ans, jusqu'à la fondation du théâtre et jusqu'à la fondation des conservatoires, le paysage musical liégeois, il est en crise. La cathédrale, évidemment, elle est fermée, donc tous les musiciens
sont mis au chômage, la société d'émulation qu'on a vue, elle est dissoute, les écoles des maîtrises sont supprimées en 1797, de sorte que les endroits où on apprenait la musique à Liège disparaissent complètement. Et donc, entre ces deux dates, eh bien, l'instabilité politique, l'instabilité économique, l'instabilité sociale, ça va peser très très lourdement sur la vie musicale. Première conséquence, c'est qu'une partie importante des chanteurs, des musiciens, perdent évidemment leur travail, ils perdent leur source de revenus et ils viennent grossir la liste interminable des indigents. José Quita, qui avait, il y a quelques décennies, fait des recherches là-bas, avait retrouvé des archives avec les listes de musiciens qui n'ont plus de poste. C'est assez effrayant à voir. Deuxième argument, c'est que les contrats deviennent extrêmement rares pour les théâtres et les salles de danse, ou en tout cas, ces contrats, ils sont beaucoup plus erratiques qu'ils ne pouvaient l'être précédemment. Il y a aussi une forme de repli de la pratique musicale sur la sphère privée. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les bourgeois qui en ont encore les moyens payent des précepteurs pour l'éducation musicale de leurs enfants. Et une partie des précepteurs, eh bien, ce sont des anciens chantres de la cathédrale, ce sont parfois même des prêtres ou des religieux qui vont devenir les précepteurs de ces enfants de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Et quand les concerts reprennent, à partir des années 1804-1805, eh bien, les saisons sont particulièrement irrégulières. La seule chose qui fonctionne bien dans la musique, c'est la célébration des fêtes républicaines à ce moment-là, qui demande parfois un grand nombre de participants. Et puis alors, en même temps, eh bien, il y a une réflexion qui se met en place à partir de 1815 pour en faveur de l'instruction des enfants du peuple, et cette volonté de démocratisation de la musique, eh bien, elle commence à anticiper la création de toute une série d'écoles de musique qui, au départ, sont des écoles de musique privées, c'est-à-dire qu'il faut payer pour y accéder, et puis qui finiront par déboucher sur le conservatoire. Alors, le plus difficile, sans doute, c'est pendant cette longue période-là, c'est la disparition de musiciens d'envergure. Grétry, on en parle beaucoup, on le joue de moins en moins, et ce qui est joué quand on peut monter des spectacles, ce sont soit des compositeurs français, soit un des musiciens qui triomphe le plus à l'étranger, c'est du Rossini, c'est du Aubert, c'est du Meyerbeer, etc., qui sont les compositeurs les plus appréciés de l'époque. Et donc, une parenthèse que je peux refermer assez vite, parce que effectivement la pratique musicale est très très restreinte. Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'indépendance de la Belgique et la Première Guerre mondiale? Donc un 19e siècle qui va aller grosso modo ici des années 1830 à 1914, eh bien le redéploiement il va venir chez nous de la réinstauration de deux institutions, c'est-à-dire l'inauguration du nouveau théâtre de Liège juste à côté d'ici en 1820 et la création du conservatoire en 1826. Mais avant ça, je voudrais revenir sur ma petite marotte dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de dire, mais qu'est-ce que les Liégeois écoutent? Et en fait, ce qu'on écoute le plus pendant ce long 19e siècle, ce sont les sociétés musicales. Et donc les sociétés musicales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fanfares, donc une fanfare, ce sont des cuivres et parfois des percussions. Ce sont des harmonies, qui sont parfois avec des bois, des cuivres et des percussions. Ce sont des symphonies, ce sont donc des orchestres de symphoniques amateurs. Et surtout, évidemment, des chorales ou des sociétés dramatiques. Et donc, parce que quand on fait du théâtre, il y a souvent des parties musicales qui sont instaurées. Et donc, je pense que ce sont ces sociétés musicales qui incarnent le mieux la vie culturelle liégeoise pendant le 19e siècle. Je vous donne des chiffres pour que vous ayez une idée de l'ampleur de ce mouvement qu'on appelle le mouvement orphéonique. C'est que à Liège, en 1830, il y a une cinquantaine de sociétés musicales. En 1910, un peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il y en a pour Liège 653.
donc à Liège, 653 sociétés musicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire effectivement que ces phalanges, elles jalonnent absolument tous les moments de la vie sociale et elles résonnent dans les espaces les plus divers. On les entend à la ville, à la campagne, dans les usines, dans les églises, dans les salles, en plein air. Il n'y a pas de procession, il n'y a pas de fête patronale, il n'y a pas de fête de parti, il n'y a pas de cérémonie officielle, il n'y a pas de défilé carnavalesque dans lequel on ne retrouve pas certaines de ces sociétés. Et leur succès, il vient en partie de ce qu'elles vont constituer pendant tout le XIXe siècle une part essentielle des politiques culturelles à la fois des partis politiques, de l'État belge, mais également des institutions ou des entreprises. Parce que, eh bien, une chorale, une fanfare, ce sont aussi des instruments de régulation, voire des instruments de contrôle social. Et je pense que quand on regarde l'histoire de ces institutions-là, eh bien, elles révèlent en fait à la fois les débats et les grands défis sociaux de notre société industrielle du XIXe siècle, parce que certaines d'entre elles, eh bien, elles sont subsidiées directement par les entreprises. Et ce que vous voyez à l'écran, je n'ai malheureusement pas, parce que là, oui, je vous ai dit, il y a des centaines de ces institutions, il y a incroyablement peu de documentation qui a été conservée. Donc, tout cet immense paysage sonore, il a aujourd'hui presque disparu. Et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est une fanfare qui avait été associée à une mine de Framerie, et donc ce sont des mineurs qui constituaient une fanfare. Et donc, ça veut dire que ce sont dans la plupart des cas les responsables des mines, les responsables des charbonnages, les responsables des industries sidérurgiques qui vont payer ces fanfares. Donc c'est eux qui achètent les instruments, c'est eux qui acceptent que les ouvriers retirent de leur temps de travail quelques heures pour faire des répétitions. C'est eux qui, même dans certains cas, donc j'ai une étudiante qui termine une thèse de doctorat sur ces types de fanfares-là, et qui montre effectivement que même parfois certaines interventions chirurgicales peuvent être payées par le charbonnage, parce que ça permet à un musicien de doué de pouvoir continuer à jouer, etc. Et donc pourquoi est-ce que c'est ça? Eh bien, parce que ça permet d'acheter une forme de paix sociale, évidemment, dans une entreprise. Ça permet aussi de combattre l'oisiveté des ouvriers, comme on le dit souvent à l'époque. Et puis, ça permet aussi de grandir la réputation des entreprises en présentant ces fanfares, etc., dans toute une série de concours populaires qui sont extrêmement médiatisés. Pardon. Comme on le lit dans un rapport de la société Franklin en 1880, j'ouvre les guillemets, « La musique adoucit les mœurs, elle initie l'ouvrier à de pures et douces jouissances, elle l'éloigne des satisfactions grossières et nuisibles. » Et donc, on assiste à une espèce de lieu commun de ce qui se met en place au XIXe siècle, c'est-à-dire que la musique, c'est cette espèce d'instrument social qui va se substituer ou parfois s'ajouter à celui de la religion dans l'acceptation des hiérarchies sociales que le libéralisme a permis de mettre en place. Et ce qu'on connaît un peu de ces sociétés, eh bien, on le connaît surtout par le biais des concours. Et dans le domaine choral, une des plus grandes chorales de Belgique, voire d'Europe, elle vient de Liège. Cette chorale s'appelait la Légia. Et la Légia, une chorale qui a été fondée en 1853 et qui a participé à une multitude de concours en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en France, etc. Et dans laquelle elle a très très souvent triomphé. Et ce qui est assez spectaculaire et ce qu'on a gardé, c'est les témoignages de la presse, les témoignages des citoyens, une fois que la Légia gagne un concours à l'étranger. Et je pense que le parallèle le plus simple que je puisse faire, c'est comme si, même si c'est très vieux et que vous ne vous souvenez plus, mais c'est comme si le Standard devenait champion de Belgique. C'est-à-dire que quand ils ont gagné, ils reviennent en train de leur voyage, etc. Et on a des messagers qui disent, voilà, ils arrivent à la gare d'Anse, etc., préparez-vous. Et quand on débarque, la ville a été pavoisée préalablement. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des milliers, dans certains cas, des dizaines de milliers de Liégeois qui font une espèce d'escorte depuis la gare des Guillemins jusqu'à la Violette ici, où les gens, la chorale s'arrête pour chanter une première fois aux Guillemins, on s'arrête dans la rue des Guillemins, on s'arrête au kiosque du boulevard d'Avrois, etc. Et on chante en permanence avec, sous l'acclamation des citoyens liégeois. Et donc c'est vraiment effectivement une musique populaire, ou en tout cas une musique qui était très très largement partagée. Alors à côté des sociétés musicales, autre institution, c'est le Théâtre de Liège. Le Théâtre de Liège qui, vous le savez peut-être, est allé remplacer aujourd'hui
aujourd'hui une église qui était l'église et le couvent des Dominicains. Vous voyez que sur cette gravure de 1817, eh bien, le couvent des Dominicains n'est pas en très bon état. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, il est remplacé par le bâtiment que vous connaissez bien aujourd'hui, et donc ce théâtre qui est érigé en 1820, et ici on a une gravure de 1827 qui représente son état, qui représente son état à ce moment-là. Alors, ce nouveau théâtre inauguré en 1820, il est exploité par des gestionnaires privés qui vont essayer de s'en occuper, mais du coup, puisque ces gestionnaires privés, ils veulent faire des bénéfices, eh bien la programmation qu'on trouve au Théâtre de Liège, c'est une programmation qui est extrêmement large, mais malgré cette programmation la plus large possible, eh bien ça se solde par des pertes qui sont extrêmement lourdes dans les premières années. Et donc pour éviter ces faillites, eh bien c'est la ville qui va reprendre à sa charge la gestion du théâtre et puis louer le théâtre à toute une série d'opérateurs privés. Et donc ces opérateurs privés, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils programment évidemment des opéras, donc un peu de Grétry, mais je vous l'ai dit, si on en parle beaucoup, on le joue de moins en moins au XIXe siècle, mais c'est surtout du Auber, c'est surtout du Rossini, c'est surtout du grand opéra à la Meyerbeer, etc. Mais c'est surtout aussi, et je pense que c'est très très différent aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie de la programmation a une dimension récréative. C'est-à-dire que... là-dedans, eh bien, on a des spectacles de music hall, on a des spectacles de magiciens, on a des spectacles de funambules, des chanteurs folkloriques, on a des ventriloques, il y a même des spectacles avec des animaux savants qu'on montre sur le théâtre de Liège. Il y a des enfants prodiges, évidemment, c'est une des grandes modes du 18e et du 19e siècle. Et j'ai même trouvé un truc, mais je ne sais absolument pas à quoi ça ressemblait, un spectacle d'arabes incombustibles. Et donc, je ne sais absolument pas à quoi ça pouvait faire référence, mais il y a eu sur la scène du théâtre de Liège à ce moment-là. Des spectacles les plus divers, et donc, puisque effectivement, les exploitants, ils sont là pour essayer de gagner de l'argent. Évidemment, ils ne sont pas payés ou ils ne sont pas des fonctionnaires d'État. Et puis, le théâtre, il s'ouvre aussi à toute une série d'artistes de passage. Et pendant le 19e siècle, ben, il y a quelques célébrités qui vont y passer. En 1838, c'est Johann Strauss qui vient avec son orchestre viennois pour toute une série de valses. Il y a Franz Liszt qui viendra jouer trois fois à trois moments différents dans la salle. Il y a des dizaines de grands solistes musicaux qui sont renseignés comme ça. Et alors, le troisième élément important du 19e siècle, c'est l'ouverture de l'École royale de musique de Liège, qui s'appellera assez rapidement Conservatoire. Et cette ouverture du théâtre de l'École royale, elle se fait en 1827 avec comme premier directeur Joseph d'Aussoigne-Méhul. Il y a une dizaine de professeurs la première année et seulement 37 élèves inscrit, mais très très vite, ce nombre d'élèves va s'accroître. À la fin du 19e siècle, il y a à peu près 700 étudiants inscrits annuellement au Conservatoire de Liège. C'est absolument considérable. Et ça veut dire évidemment que pour un accroissement aussi rapide des effectifs, il faut évidemment des moyens, et comme toujours, les moyens ne suivent pas. Et donc, quand on regarde la correspondance de d'Aussoigne-Méhul au début, c'est une longue suite de lamentations, parce que cette école de musique, elle n'est pas dans les locaux que vous connaissez aujourd'hui. Au début, les classes sont dans un immeuble qui est à proximité de l'église Sainte-Croix. Et donc, dans ce local-là, c'est évidemment pas des locaux qui sont adaptés. Et tout de suite, il y a des discussions pour comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des professeurs en plus. Et la première réponse de d'Aussoigne, c'est de dire, tous les élèves brillants deviennent des répétiteurs pour les autres étudiants. Et puis, il a des problèmes assez basiques. Il se plaint parce qu'il n'y a pas de chauffage. Il se plaint parce qu'il n'y a pas de bibliothèque encore attachée au conservatoire au début. Et donc, il faut constituer une collection de partitions. Et puis aussi, ça, je trouvais assez amusant, il se plaint très, très vite que 2 mois de vacances en été, c'est beaucoup trop long pour des étudiants qui font de la musique. Et donc, il a sans doute dû pousser un soupir de soulagement de sa tombe, de savoir que 2 siècles plus tard, il est maintenant exaucé, que les vacances d'été vont sans doute un peu se raccourcir pour la plupart des étudiants.
Et mais surtout, évidemment, ce que Dossoigne réclame, c'est la constitution d'une véritable école de musique, et son souhait, ben, il ne le verra jamais de son vivant, et puisqu'évidemment, le bâtiment du conservatoire qui accueillera les élèves, il ne sera inauguré qu'en 1887, hein, et donc on est très très loin après la création de l'institution. Alors ce conservatoire, il va très rapidement, ça prend quelques décennies quand même, mais il va remettre Liège, je pense, sur la carte internationale de la création musicale. Et ça va se faire de trois manières différentes. La première manière, c'est que Dossoigne, il remet tout de suite dans le programme, notamment des cours d'harmonie, des cours de composition, des cours de contrepoint, donc ce qui permet d'écrire de la musique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que les premiers cours qu'il organise pour le contrepoint, pour l'harmonie et pour la composition, ils sont évidemment suivis par les élèves, mais ils sont aussi suivis par les autres professeurs. Et ça nous donne un peu une petite idée du fait qu'on avait encore des bons instrumentistes, mais les méthodes d'écriture de la musique, et bien tout ça, qu'on n'enseignait plus, puisque les cathédrales, les maîtrises des cathédrales avaient disparu, ben 40 ans sans enseignement d'écriture musicale, ça avait évidemment contribué à abaisser en partie le niveau. Et cette inscription de toute une série de cours de formation à la composition, ça va tout de suite être suivi d'effet, puisque vous savez quand même, je suppose, cette partie de l'histoire. Eh bien, en 1831, il y a un certain César Franck qui s'inscrit dans cette... Donc lui, il était juste à côté, vous voyez la maison natale de César Franck. Comme le conservatoire était à quelques pas, je pense qu'il pouvait sortir et aller à pied sans prendre trop de temps. César Franck va s'inscrire au conservatoire. Il va suivre les cours de solfège, de piano, d'harmonie, de contrepoint qui sont donnés par Méhul. Et puis, une fois qu'il a terminé sa formation, eh bien, en 1835, il partira avec sa famille pour Paris pour connaître le destin que vous savez. Deuxième fruit important de la création du conservatoire, c'est que ça va révéler une véritable dynastie de très très grands musiciens, notamment dans le domaine du violon. Et on a une véritable dynastie de tous ces grands musiciens qui va se mettre en place et qui va durer jusque loin dans le XXe siècle. Je vous en montre un petit exemple. Parmi ces violonistes extrêmement célèbres qui vont être formés au conservatoire, vous avez ici une des photos les plus connues sans doute de l'histoire de la musique à Liège. C'est Rodolphe Massard, Martin-Pierre Marsic, César Thomson et Eugène Isaïe, qui sont photographiés ensemble au moment où on inaugure le conservatoire de Liège, soit le 22 avril 1887. Mais à côté de ces quatre-là, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Henri Vieuxtemps, il y a Hubert Léonard, il y a également Ovide Musin, etc. Donc c'est vraiment une dynastie complète de ces musiciens qu'on va trouver un peu partout. Et enfin, je voulais peut-être vous passer un tout petit extrait de musique d'Eugène Isaïe, qui, à côté d'être ce virtuose du violon qui est passé dans l'histoire, a été aussi un grand compositeur qu'on commence malheureusement seulement à redécouvrir ces dernières années. Donc ce que je vous passe maintenant, c'est un petit extrait d'un de ses poèmes pour violon et orchestre qui s'appelle « Extase ».
à côté de ce développement de l'École royale de musique de Liège qui devient donc le Conservatoire de musique de Liège, il y a encore, je dois encore vous dire quelques mots des sociétés musicales savantes. Donc il y a des sociétés musicales de musique populaire, on a commencé par là. Il y a aussi des sociétés musicales savantes. Et elles, je pense que ça me permet de m'arrêter quelques instants sur la situation de la Belgique en matière culturelle entre la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale? Eh bien, avec le conflit franco-prussien, il y a une partie des artistes de ces deux pays-là qui ne pouvaient évidemment plus se piffer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Belgique est devenue une espèce de no man's land à ce moment-là. C'est-à-dire que les musiciens allemands qui aimaient la musique française ou les musiciens français qui étaient toujours des amateurs de musique allemande, comme ils ne pouvaient plus pratiquer ça chez eux, ils sont venus chez nous. Et donc, c'est devenu une espèce de terre de croisement incroyablement fertile dont certains de nos musiciens ont été des représentants. Un des premiers grands représentants de cette espèce de fusion qui paraissait interdite partout, c'est Joseph Jongen. J'espère que le nom vous dit encore quelque chose. Et Joseph Jongen, quand il écrit ses premiers essais symphoniques, eh bien voilà ce qu'on dit de lui. Joseph Jongen, c'est du Vincent d'Indy et du Richard Strauss, les deux jeunes écoles françaises et allemandes se rapprochant sans le savoir avec des intentions personnelles. Et donc cette fusion entre France et Allemagne qu'on ne veut voir nulle part ailleurs, eh bien chez nous, elle est possible. Et si elle est possible aussi, c'est en partie, ou c'est pas seulement parce qu'on accueille effectivement ces musiciens français et allemands qui ne peuvent pas trop jouer chez eux, c'est aussi parce que en 1870 et 1914, la Belgique est une des plus grandes puissances économiques mondiales. Il y a de l'argent, et quand il y a de l'argent, eh bien, on peut l'investir dans le domaine de la culture, et dans le domaine de la culture, ça nous permet aussi d'inviter et de recruter des musiciens qui viennent d'un peu partout. Et parmi les sociétés qui ont été les plus perspicace dans la quête de ces musiciens étrangers, il y a notamment une des sociétés qui s'appelle les Nouveaux Concerts Populaires de Sylvain Dupuis. Et donc ces Nouveaux Concerts Populaires, eh bien, c'était des gens qui trouvaient que le conservatoire était déjà un peu trop conservateur et qui programmaient la musique contemporaine de l'époque. Et Sylvain Dupuis, en programmant cette musique contemporaine de l'époque, il a eu, je veux dire, un flair absolument extraordinaire, puisque il fait venir chez nous, à Liège, eh bien, il fait venir Richard Strauss, qui fait le déplacement à Liège en 1896 pour diriger certains de ses poèmes symphoniques. Il fait aussi venir chez nous ce personnage-là, que vous reconnaissez sans doute. Il fait venir à Liège Gustave Mahler, qui sera joué pour la première fois en dehors des pays germaniques à Liège. Et donc, c'est sa deuxième symphonie, première de ses œuvres, qui est jouée en dehors des pays germaniques. Ce sera ici. Et le succès est tel qu'il revient l'année suivante. Et quand il revient l'année suivante, on rejoue la deuxième symphonie. C'est lui-même qui dirige. Et en deuxième partie, il y a Ferruccio Busoni qui est là pour donner un concerto pour piano. C'est assez impressionnant de voir effectivement les grandes figures de la musique occidentale qu'on a réussi à recruter. Et Sylvain Dupuis n'est pas le seul. Eugène Isaïe, qui est resté très très attaché à Liège, nous amène toute une série de compositeurs français, dont Ernest Chausson, qui fait plusieurs séjours à Liège. Et puis enfin, de manière, c'est pas anecdotique, mais c'est assez impressionnant chez nous, il y a aussi une troisième personnalité qu'il faut mentionner, c'est la comtesse de Mercy-Argenteau. Et la comtesse de Mercy-Argenteau, elle va permettre en fait de faire venir à Liège, à Bruxelles et dans toute une série d'autres villes de Belgique, la plupart des grands compositeurs russes de l'époque. Et donc, Rimsky-Korsakov, Borodine, Tchaïkovski sont joués en dehors de Russie pour la première fois chez nous par l'entremise de cette comtesse de Mercy-Argenteau. Et c'est hors procès-verbal parce qu'on ne peut pas le dire, mais il semblerait en fait que la comtesse devait être l'amante de Rimsky-Korsakov, ce qui explique en partie cela. Alors, après ça, ben, on passe déjà à l'entre-deux-guerres. Et dans l'entre-deux-guerres, ben, de nouveau, je reviens à ma musique populaire. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Et qu'est-ce que les Liégeois écoutent ? Eh bien, ce que les Liégeois écoutent majoritairement, c'est de la chanson française. Et la chanson française qui triomphe après la Première Guerre mondiale, c'est essentiellement celle de Vincent Scotto. J'imagine que rien que dire Sous les ponts de Paris, je pense que vous avez tous la mélodie quelque part sur votre disque dur interne et que vous pouvez ressortir sans trop de problèmes. Mais il y a des dizaines de chanteurs français qui sont extrêmement populaires chez nous, à l'époque, dont un certain Harry Fraxon que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais je n'ai pas beaucoup le temps de m'attarder. C'est l'espèce de Johnny Hallyday belge de l'époque. Alors, ce qui est à côté de la chanson française, ce qui est surtout important pour nous, c'est la découverte des musiques américaines. Et dans l'entre-deux-guerres, ce qu'on va commencer à jouer, ce qu'on va commencer à composer, c'est du foxtrot, c'est de la valse Boston, c'est du passodoble, c'est de la rumba, c'est du cha-cha, c'est du jazz. Donc la musique américaine dans un sens très très large, donc d'abord musique d'Amérique du Nord, et puis plus on avance dans les années 30, c'est plutôt de la musique qui vient de l'Amérique du Sud. Et ce qui pour nous, de nouveau, on reçoit des partitions, et évidemment on peut jouer cette musique-là, mais ce qui est le plus intéressant pour les Liégeois, c'est que pas mal de jeunes qui sortent du conservatoire, ben, ils aiment la musique des jeunes de leur époque, évidemment. Et la musique des jeunes de leur époque, c'est pas César Franck, il barbe sans doute un maximum. C'est cette musique-là, et qui me semble être, elle est malheureusement pas du tout étudiée, mais qui me semble être extrêmement intéressante parce que c'est des gens qui essayent de faire du jazz ou des musiques américaines, mais en ayant un bagage d'orchestration qui vient d'Hector Berlioz. Et donc on a une forme de jazz qui n'est ni du jazz américain, mais qui n'est pas non plus de la musique française, parce que on a ce mélange de musique savante et de musique populaire, et on a chez nous des dizaines et des dizaines de compositeurs qui vont se lancer là-dedans. Certains d'entre eux prennent des pseudonymes, comme Jean Rolister, qui est un des professeurs du conservatoire, mais quand on est professeur du conservatoire et qu'on fait de la musique de sauvage, c'est pas très bien vu, donc il écrit ces musiques-là avec sous un pseudonyme, et puis toute une série d'autres, parce que ben, pseudonyme, ça fait américain. Il y a Eddie Del... il s'appelle Deltour, et puis qui s'appelle Tower, évidemment, quand il signe ses partitions pour montrer qu'il vient de là. Et voilà ce que ça donne. Je vous en fais écouter là aussi un petit extrait. C'est un foxtrot qui a été écrit par un Liégeois, donc qui s'appelle François Thaun, qui n'a pratiquement laissé aucun signe, à part quelques partitions qui sont conservées aujourd'hui, pratiquement essentiellement à la Bibliothèque royale de Belgique.
Voilà, donc le type de répertoire qu'on entend pendant toute l'entre-deux-guerres chez nous. Et donc, et ça s'écoute dans toute une série de lieux, y compris dans les lieux les plus improbables, dans les partitions. Malheureusement, on en a beaucoup jeté, mais il y a un collectionneur qui vient de déposer une très très grosse collection à la Bibliothèque Royale de Belgique. On a des choses absolument improbables. C'est, je ne sais plus quel nom, qui est chef d'orchestre dans la boulangerie qui est ici dans une des rues derrière la cathédrale Saint-Paul. Et donc, c'est un peu improbable, mais de savoir que ces répertoires-là, ils sont véritablement partout dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de jukebox, évidemment. Et donc, ce sont des vrais musiciens qui accompagnent les gens qui prennent le café ou qui prennent le thé. Alors, ce que je dois encore mentionner dans ces musiques légères, c'est les répertoires dialectaux. Et les répertoires dialectaux, on les entend encore dans les ruelles, dans les impasses, dans les quartiers, etc. Mais en fait, ils vont décliner de manière extrêmement rapide à partir de l'entre-deux-guerres pour une raison qui tient essentiellement à l'éducation, puisque en mai 1914 avaient été signées les lois sur l'instruction obligatoire. Ça avait été mis en parenthèse pendant la Première Guerre mondiale et on commence à appliquer ça à partir des années 20. Et donc ça veut dire que avec ces lois sur l'instruction obligatoire, ça va conduire à une espèce d'homogénéisation des pratiques. Ça va contribuer à modifier les modes d'apprentissage, à modifier les savoirs. Et ça veut dire que tous les récits qui étaient transmis, toutes les chansons, toutes les musiques qui étaient transmises oralement, eh bien, elles vont disparaître assez rapidement, alors que le français va s'imposer dans les écoles, puisque dorénavant, tout le monde devra les fréquenter. Et enfin, un dernier répertoire qu'on oublie très souvent, mais qui est extrêmement important, extrêmement nombreux, c'est la musique dans les cinémas chez nous pendant l'entre-deux-guerres à nouveau. Et donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque les projections de cinématographes. Et donc, il y a à Liège 13 cinématographes en 1916. Pendant l'entre-deux-guerres, il y en aura 35. Presque tous sont accompagnés par des musiciens. Et donc, vous avez dans le cinéma, je ne vais pas dire un orchestre en résidence, parfois c'est simplement un pianiste, mais dans les cinémas les plus importants, vous pouvez avoir des petits ensembles qui sont, eux, qui peuvent comporter pas mal de musiciens. Et donc, il y a des lieux pour toutes ces musiques populaires. Et le lieu le plus important, qui a malheureusement disparu, c'est le Fontainebleau, la plus ancienne salle de danse de Liège, qui a été en activité de 1844 à 1934. Mais à côté, dans ces salles de danse, il y avait le Regina, ça existe encore, le Phare, la Renommée, la Comète, etc., etc. Et ce qui témoigne de ce goût pour le populaire, c'est sans doute l'inauguration du Forum en 1922. Et le Forum en 1922, eh bien, d'emblée, lorsqu'il est ouvert, il y a un orchestre de 25 musiciens qui est attaché au Forum et qui va à la fois jouer ses propres répertoires, mais aussi accompagner les séances de projection cinématographique. On va jouer des vaudevilles, on va jouer de la musique légère là-dedans. Et la concurrence entre le Forum, qui peut contenir à l'époque 2600 personnes et qui est souvent blindé, enfin qui est souvent vraiment plein, eh bien il est en concurrence avec le Palace qui est juste en face et qui propose à peu près le même type de répertoire avec le même type de musiciens. Il y a d'ailleurs au Forum, ils avaient acheté à l'époque un instrument absolument extraordinaire. Si vous savez où il est passé, j'aimerais bien, donc un orgue Wurlitzer à 5 claviers, dont il y a quelques copies seulement sur la planète. Il y en avait un à Liège, mais je ne sais pas du tout ce que ça a pu devenir. Et puis, ben, ça, c'était pour les musiques légères. J'ai pas osé mettre que c'est des musiques lourdes, mais pendant l'entre-deux-guerres, il y a évidemment les compositeurs savants qui continuent à travailler. Et dans les conservatoires, eh bien, malheureusement, on peut dire que les conservatoires commencent un peu à mériter leur nom, si vous voulez. C'est-à-dire que les pédagogues, eh bien, ils donnent l'impression de se replier sur toute une série de gloires nationales un peu rassurantes. Et une trentaine d'années après son décès, eh bien, le personnage ou la personnalité la plus importante au Conservatoire de Liège, ça reste César Franck. Alors que dans le domaine de la musique savante, eh bien, il y a des tas de nouvelles choses qui se font un peu partout. Eh bien, l'éducation, la formation, eh bien, elle continue à tourner autour de certaines des figures tutélaires de la musique belge. Alors qu'effectivement, il y a toute une série d'autres choses qui se mettent en place, puisque chez nous, comme partout ailleurs, une fois que la Première Guerre mondiale se termine, qu'est-ce qu'on dit ? C'est, en matière d'influence, c'est « on veut bien tout sauf l'Allemagne ».
C'est-à-dire qu'on veut bien être influencé par les Américains, on veut bien être influencé par l'Amérique du Sud, on veut bien être influencé par la musique française, espagnole, etc. Mais de grâce, pas de musique allemande. Je pense que le plus beau témoignage, c'est celui d'un musicien qui meurt malheureusement pendant la Première Guerre mondiale, un liégeois qui s'appelle Georges Antoine, et qui pendant la Première Guerre mondiale écrit, il a une correspondance absolument magnifique, qu'il écrit à un membre de sa famille, et il dit « Je retouche ma sonate », il dit de manière très juste « Je châtre ma sonate, elle est trop allemande ». Et donc il écrit la musique pour ne pas que ça sonne trop allemand. Et donc, on est, après la Seconde Guerre mondiale, dans une démarche qui est plutôt celle-là. On peut écrire ce qu'on veut, mais pour autant que ça ne ressemble plus à de la musique allemande. Et donc, parmi les compositeurs qui vont véhiculer, qui vont continuer à croire à cette espèce de franquisme, de ce qu'on appelle le post-franquisme à l'époque, une des figures les plus importantes, c'est sans doute Joseph Jungen, et qui lui-même a une espèce de grosse crise de création. Pendant la Première Guerre mondiale, il est allé se réfugier en Angleterre. Et quand il en revient, ben il dit, il écoute toutes ces nouvelles musiques et il ne se retrouve plus du tout dans le paysage. Et pendant quelques années, il va arrêter de composer en se disant, ben c'est pas mon monde, c'est un monde que je ne reconnais plus, etc. Et puis après quelques années, il va se remettre à écrire, mais toujours de la musique post-romantique ou des choses comme ça, en disant, ben c'est ce que je sais faire et je continue à faire ce que je sais faire et de croire en quoi je croyais précédemment. Mais il est déjà complètement décalé par rapport à toute une série d'autres courants musicaux qui émergent. En Europe. Alors il me reste, je suis vraiment désolé, j'ai un tout petit peu dépassé mon temps, j'espère que je peux encore vous prendre 5 minutes. Il me reste à clôturer sur le 20e siècle, depuis la Seconde Guerre mondiale, et en repartant de nouveau des musiques populaires, et dans le domaine des musiques populaires, après la Seconde Guerre mondiale, se diffuse de manière internationale, je pense d'abord et avant tout, une poignée de musiciens de jazz que vous connaissez sans doute bien ou dont vous connaissez sans doute bien les noms. Il y en a au moins 3 liégeois là-dedans qui sont Jacques Pelser, Bobby Jaspar et René Thomas et qui vont effectivement pour la plupart faire le voyage aux États-Unis pour... Dans le cas de Jacques Pelser, il va même mourir aux États-Unis, et donc qui seront effectivement nos grands représentants d'un style de jazz qu'on appelle le bebop. Et puis après, je vais peut-être vous étonner, mais je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, le seul genre musical qui a permis à Liège d'avoir une notoriété réellement internationale et qui soit diffusé de manière réellement internationale, c'est à côté de ça la chanson italo-liégeoise. On oublie complètement ça. Mais se dire que effectivement les tout grands succès de la musique de chez nous, ce sont ces gens ou ces descendants de tous ceux qui ont été qui sont installés à Liège ou dans Wallonie ou en Belgique de manière générale à la suite des accords entre l'Italie et la Belgique pour l'exploitation des mines de charbon. Et vous connaissez évidemment ces noms de la chanson italienne, donc Tony Di Napoli, Frédéric François, Franck Michael ou Sandra Kim, qui est, je vous le rappelle, la seule des Belges qui a remporté le concours de l'Eurovision. On peut ne pas aimer, mais je pense qu'on ne peut pas dire effectivement que ce sont eux qui ont été les phares de la musique. Et si on va à l'échelle belge, des gens comme Adamo, etc., on voit bien aujourd'hui que c'était eux qui étaient sans doute les plus populaires. Et ça me permet de faire une deuxième réflexion qui sont des choses quand même qui me tiennent à cœur. C'est qu'au 21e siècle, les gens qui portent véritablement la musique à Liège, c'est de nouveau pas trop dans le domaine de la musique savante. On est plutôt aujourd'hui dans le domaine du rap, avec 2 figures qui sont devenues un peu importantes. En dessous, c'est Balogi. Vous avez peut-être déjà juste entendu son nom ces derniers jours parce que son premier film vient d'être retenu pour la sélection des réalisateurs à Cannes. Et donc, liégeois, qui vient de Bressoux, lui. Et puis, alors, au-dessus, tout récent, il y en a encore un des deux qui est à l'université de Liège. Donc, ils ont 22 ou 23 ans, qui s'appelle Moji Esboy. Et donc, tous ces deux-là, je pense que vous n'avez jamais entendu leur nom. Mais quand vous allez sur les plateformes de streaming, Moji Esboy, c'est des millions d'écoutes. Et donc des liégeois comme ça qui ont des millions d'écoutes, c'est effectivement quelque chose qui peut vous paraître un peu étonnant. Mais évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu chez nous beaucoup de musique savante. Et cette musique savante, et je terminerai par là, elle est d'abord et en grande partie portée par la figure de Henri Pousseur, qui va en fait à Liège, avec l'aide souvent de Pierre Bartholomé et de Philippe Boussemans, au moins au début de sa carrière, mener toute une série de chantiers qui sont extrêmement importants. Et parmi ces chantiers, évidemment, eh bien, c'est d'abord que Henri Pousseur, il a été un véritable passeur dans le domaine de la musique contemporaine. Henri Pousseur, c'est quelqu'un qui vient des cantons de l'Est et donc qui
était parfait bilingue et qui, après la Seconde Guerre mondiale, a été un des premiers grands compositeurs occidentaux à retisser du lien entre la France et l'Allemagne. Et donc, comme il était parfait polyglotte, en fait, tout le monde, depuis Boulez jusque Stockhausen, en passant par John Cage, etc., on passait par Henri Pousseur pour essayer d'avoir des contacts entre les différents pays d'Europe à l'époque. Donc, d'abord, un grand passeur, et puis, chez nous, quelqu'un qui a véritablement fait bouger les frontières, notamment dans le domaine du conservatoire. Il est devenu directeur du conservatoire de Liège et lorsqu'il a été directeur du conservatoire de Liège, il a ouvert toute une série de classes dans des matières qui n'ont pas toujours été bien accueillies, mais en tout cas qui ont permis à toute une série de toute une génération de compositeurs de s'affirmer, notamment des classes d'improvisation ou toute une série de choses comme celle-là. Et puis aussi, à Liège, c'est lui qui a créé le Centre de recherche musicale de Wallonie à ce centre de recherche musicale de Wallonie était adossé un ensemble qui ne jouait que de la musique ultra contemporaine qui s'appelait Musique Nouvelle. Cet ensemble, il existe toujours et il est aujourd'hui stationné à Mons. Et donc, dans cette orbite-là, il y a eu à la fois, je le mentionne parce que c'est pour montrer qu'il y avait toute une série de sensibilités très très diverses qui s'y sont manifestées et je voulais au moins vous montrer Bernard Faucroul, qui lui a été un des premiers grands défenseurs, notamment de la musique ancienne, de la musique d'orgue, etc., des interprétations historiquement informées, et donc qui, un peu en marge de ce que Henri Pousseur a pu faire, a représenté un courant qui est resté très très important, notamment dans cette défense de la musique ancienne. Et en fait, ce qui me plaît moi beaucoup dans ces mélanges de Henri Pousseur, c'est toute une série de groupes liégeois qui, en fait, ont réussi à faire cette espèce de mélange un peu improbable entre les musiques populaires contemporaines et la musique savante contemporaine. Et dans ces deux groupes qui me semblent vraiment importants, celui du dessous, c'est Akamoun, et puis au-dessus, c'est un groupe qui s'appelle Rêve d'éléphant. Alors, juste pour terminer ou pour conclure, c'est se dire que ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est qu'en termes de politique culturelle, c'est que la plupart des grandes institutions, des principaux lieux culturels de la ville ou qui appartenaient à la ville, ont maintenant été dévolus à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, la gestion des principaux organismes, des principaux lieux culturels n'est plus affectée à la ville de Liège, mais bien à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais malgré cette espèce de dilution à la fois vers le haut et vers le bas, on garde, je pense, une densité absolument exceptionnelle d'opérateurs culturels de premier plan chez nous. Monsieur Botson l'a signalé en commençant. Regardez sur la carte d'Europe, avoir une ville de province qui compte 200 000 habitants et qui a un opéra, qui a un orchestre philharmonique, qui a un théâtre comme celui qu'on peut avoir dans lequel on a aussi de la musique, qui a une bonne dizaine ou une bonne quinzaine de salles, qui a plusieurs festivals internationaux, etc. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Et donc, je pense qu'après, au terme de 3 siècles, nous restons dans une situation qui me paraît véritablement extrêmement privilégiée. Voilà. Merci pour votre attention.